Ce dimanche, le soleil était au rendez-vous, le temps idéal pour enfiler les baskets et participer à la 31e foulée meudonnaise organisée par le service des sports de la ville de Meudon. 2500 inscrits, dont plus de 1000 enfants, ont pris part à la manifestation dont les départs étaient planifiés sur la terrasse de l'Observatoire. Jeunes, scolaires, handisports et adultes ont sauté le pas pour franchir la ligne d'arrivée de l'une des 5 épreuves. 800 mètres et 1,8 km pour les enfants, 5 km de course, 5 km de marche et 10 km pour les adultes. De quoi ravir toute la famille et tenter de battre un record. Today I'm happy because I'm number one and I improve my time. On était vraiment beaucoup, donc au départ c'était vraiment très très difficile. Ça fait depuis qu'on est tout petit qu'on le fait. On est toujours content de revenir chaque année ici. Je suis fier, j'ai bien couru. On s'entraîne ensemble tous les quatre, donc c'est ce qu'on voulait dans l'idéal, finir ensemble. C'est encore une belle édition de la foulée meudonnaise. Pour organiser et ravitailler les participants à la course de 10 km, près de 50 bénévoles étaient également au rendez-vous pour une manifestation plus éco-responsable que jamais. Après la suppression des bouteilles d'eau en plastique, c'est au tour des t-shirts de disparaître, entraînant une diminution des frais d'inscription. Après un chronométrage assuré par des puces électroniques fournies au dos des dossards, tous les arrivants de chaque épreuve se sont vus remettre une médaille ou un trophée de l'édition 2023 en bois certifié, écologie oblige. Tandis que certains savouraient leur victoire, d'autres sont repartis après tirage au sort avec le dossard Le Marathon pour tous des JO de Paris 2024. Meudon est terre de jeu et l'épreuve olympique de Paris passera par la redoutable côte des Gardes de Meudon.